J'accueille Nicolas Desplanques, chef de l'hôtel Best Western Île-de-France à Château-Thierry, qui va nous réaliser une de ses recettes fétiches. La trilogie de foie gras. Alors c'est parti, Nicolas, on commence par quoi ? Donc on va prendre le foie gras, donc c'est un foie gras cuit au torchon. Ouais. Donc un foie gras qu'on a cuit pendant 8 minutes à 100 degrés, pas plus, comme ça c'est un mi-cuit. Super précis, 8 minutes à 100. Voilà, pour cette taille-ci, voilà, 8 nickel. Minutes. Vous avez vu là ? On le cuit à la vapeur. Très très belle taille, il est cuit vapeur. Alors on le pose sur une petite planchette. C'est l'idéal, comme ça c'est beaucoup plus facile à couper. D'accord. Donc là on va faire 3 petites tranches. Et tu le disposes directement dans l'assiette de présentation. C'est pratique ça, pour découper. C'est très bien. On ne chauffe pas le produit. C'est un peu une sorte de fil à couper le beurre. Hein. Oui, c'est ça. C'est un coupe fromage à la base. Maintenant, deuxième opération. Donc maintenant, on va faire une boule de foie gras. Ouais. Donc on va prendre le foie gras, on va faire une boule avec de l'eau bien chaude, avec une boule à bombe parisienne. Ouais. On va la rouler dans de la truffe d'été. D'accord. Et comme ça, après, on va venir la disposer au centre de l'assiette. Ok, mais c'est parti, montre-nous. Alors, tu chauffes bien ta cuillère à boule parisienne. Tout à fait. D'accord. Ça permet de faire des... Tac. Tout simplement. Hop. Super. Alors, je te passe la truffe. Voilà. Tac. Merci. Ça prend, on l'a fait tomber dedans. Et là, délicatement, on va venir l'enrober. C'est bon, truffe et foie gras, ça marche toujours. Hein. Tout à fait, oui. Ça passe partout. On va se tromper. Hein. Non, c'est bon, on passe partout. On va bien l'enrober. Voilà, en fait, tu veux que le client découvre à l'intérieur qu'il y a du foie gras. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu la petite surprise. Voilà. Après, on va prendre des petites germes de poireaux. Donc, c'est des petites pousses. Ouais. C'est plus pour la stabilité de la boule que pour le goût, parce que c'est assez particulier en bouche. C'est un côté un petit peu poireau, hein, un petit peu oignon. C'est ça, tout à fait. Donc, on fait un petit trou. Tu fais un petit nid, là, tranquille. Et comme ça, on va mettre notre boule juste au milieu. En plus, c'est très joli. Vraiment très, très joli. Vous avez vu ? Alors là, maintenant, il reste la troisième façon de cuisiner le foie gras, c'est-à-dire... Le foie gras poulet. Donc, alors, on va faire un foie gras chaud. Alors, dis-moi. Alors, donc on va prendre le lobe de foie gras. Ouais. On va faire une tranche assez généreuse quand même. Alors, pourquoi il faut que ce soit un petit peu épais comme ça ? Parce que vu qu'on va le faire cuire, donc il va y avoir un petit peu de gras qui va sortir. D'accord. Donc, on le fait toujours un petit peu plus gros de ce qu'on souhaite, pour justement après avoir une taille correcte. Ça va fondre un tout petit peu, donc soyez généreux, c'est le côté un petit peu gourmand. C'est ça. Je toaste... Un petit toast de pain d'épices. Voilà, comme ça on va venir poser après sans le foie gras. Sans matière grasse, sans rien. Rien du tout. C'est juste pour donner un petit peu de croquant sur le foie gras. C'est parti au grille-pain. Donc là, pour la décoration, on va faire une petite incision sur notre foie gras. C'est juste pour la déco, ça. Hein. Voilà, c'est juste pour que ça fasse. Fond de la graisse. Non, c'est juste pour que ça fasse joli. D'accord. Et tu le fais que côté face. Oui, juste une face. Côté face, présentation. Voilà, visuel. Alors vous allez voir, c'est super important. Il va poêler d'abord la face quadrillée, parce que c'est la face qui sera montrée dans l'assiette du client. Oui. Voilà. Alors, dis-moi, raconte-moi comment tu fais. Ah, maintenant, il faut que la poêle soit surtout très bien chaude. Alors, une poêle très chaude. Très chaude. D'accord. On ne met pas de matière grasse. Sans matière grasse. Il n'y a pas besoin. Hein. C'est tellement gras le foie gras, donc on n'a pas besoin de matière grasse. Alors, une poêle bien bien chaude. Et là, suivez bien, ça va être très très rapide. Hein. Alors, tu nous montres. Alors, regardez bien, suivez bien. Donc, on va mettre la face quadrillée sur le fond de notre poêle. Alors, tu mets à l'envers. Comme ça, quand on va le retourner après pour la présentation, on aura directement la bonne face. Alors, ça fume un petit peu, c'est normal. Il y a tout à fait. Un petit écoulement, là. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de matière grasse. Hein. Voilà. Donc là, on va venir assaisonner avec un petit peu de fleur de sel. Voilà. Donc maintenant, on va venir retourner notre foie gras. Et on va assaisonner de nouveau de l'autre face. C'est important de bien assaisonner. Là, je coupe le feu. Voilà, comme ça, on va laisser prendre tranquillement le foie gras, la température de la poêle. On va rajouter un petit peu de poivre. Alors, un petit peu de poivre du moulin. Je le fais là. Tout à fait, allez-y. Hop. Voilà. Impeccable. Alors, regardez bien. Donc après, on prend notre foie gras. On va venir mettre sur un petit linge. Ouais. Comme pour ça, absorber. Le linge, voilà, pour absorber l'excédent de gras qu'il peut y avoir. Ok. Donc maintenant, on va prendre notre foie gras. On va venir le déposer délicatement sur notre foie gras et sur notre toast de pain d'épices. Vous avez mis un petit peu de croustillant, de chaleur. Voilà, comme ça on aura les trois textures. Dis donc, ça fait une belle assiette tout ça là. Et bon, on essaye. On la voit comme ça en salle ? Non, maintenant on va finir de la décorer. On va faire une petite décoration. Alors maintenant, petite décoration, vous allez voir, parce qu'on est dans un restaurant gastronomique. Et là, petite déco, c'est parti. Donc, vu qu'on est en pleine saison des groseilles, on va mettre une petite grappe de groseille pour donner un petit peu de couleur. Donc là, on va venir apporter justement un petit peu de couleur de vert. Carambole, c'est le fruit un petit peu étoilé, là. C'est ça. Le fruit star en anglais.
Donc on va venir le déposer, par exemple, ici. Ouais. Un petit physalis. Une petite physalis. Ou cache d'amour. Donc on va venir tourner légèrement les feuilles. Ça comme un bonbon. Voilà. On va faire une petite incision sur notre physalis. Et on va venir la déposer au centre sur notre carambole. Très joli. Et on peut finir par ajouter une petite touche de fleur de sel. Pour venir assaisonner. Voilà, si les gens ils en veulent un petit peu plus. Et même chose, on a de la ciboulette. Alors, donc, actuellement, elle est en pleine fleur, c'est nickel. Voilà. Donc, juste pour la présentation, on peut venir la planter délicatement sur notre foie gras. Merci beaucoup, Nicolas. Vous avez vu cette très belle trilogie de foie gras. Merci. C'est à vous maintenant.